Bonjour la compagnie. Comme je l'avais dit, j'allais recevoir encore un nouveau Pong. Eh bien, je vais vous montrer celui-ci. Je vais vous montrer le fameux Pong. Donc, voilà. Donc, un modèle encore bien francisé, bien français. Vous voyez, c'est un modèle Univox. C'est marqué jeux vidéo, cassette interchangeable. Tout est en français. Et donc, c'est un modèle aussi avec des cartouches. Mais bon, vous allez voir que c'est exactement les mêmes jeux que sur la console précédente que j'ai montré, la Relais. Donc là, c'est pas la même taille de cartouche, mais je suis préparé que si je les ouvre, c'est exactement les mêmes circuits que je vais trouver à l'intérieur. Donc, la console, donc, elle ressemble énormément. Donc, vous voyez le principe de joystick avec une manette. Donc, en fin de compte, il y a deux potentiomètres, donc X et Y. Voilà. Donc, le calibrage, si vous voyez sur cette cartouche-là, sur la console qu'on a vue hier, il y a un calibrage avec des potentiomètres ici. Et bien ici, en fin de compte, le calibrage se fait sur la console. Il y a un bouton rotatif qui permet de faire le calibrage. Vous allez voir, si je bouge, le bouton rotatif va bouger donc les raquettes. Donc voilà, il y a un bouton rotatif pour faire le calibrage. C'est le même principe, hein. Il y a les boutons, voilà. Donc là, par exemple, je mets la fameuse cassette multijeu. Et ben les différents jeux qui sont présentés. Donc là on a le tennis, voilà. Donc voilà les différentes variantes de jeux qui sont présentés. Donc vous voyez, donc la raquette, pareil, là on fonctionne en Y et également en X, voilà, qu'on peut varier. Donc comme toutes les consoles Pong à l'époque, le son est donc intégré à la console. Donc là, pour la faire fonctionner de manière assez confortable, donc comme c'est une console noir et blanc, j'ai carrément branché un moniteur noir et blanc, c'est beaucoup plus fun. Et j'adore le piqué d'image d'une image noir et blanc. Et comme je fais d'habitude, j'utilise mon bon vieux tuner Amstrad, tuner analogique, comme c'est une console normalisée française. Voilà. Donc voilà, j'ai que deux cartouches que j'ai réussi à avoir avec. L'autre, vous allez voir que c'est exactement la même que la cartouche avec les breakout sur l'autre, où c'était marqué jeu de destruction. Donc là, c'est marqué super wipe out. Et donc, c'est le même principe. Donc là, oui, il y a différents types de jeux. On va par exemple faire le fameux casse-brique. Alors il est où attends. Il est où le casse-brique là? Il est sur mes briques là. Attends, on va éteindre et rallumer. C'est quoi ce délire? Il y a un bug. Attends, c'est pas possible. Tac. C'est qui se passe là? Hein? Mais j'avais pas 10. Ah, d'accord. Bon, il fallait appuyer sur remise à zéro, tout simplement. Et là, par exemple, ce jeu-là. Voilà, donc là j'ai la raquette là, voilà, là je casse tout ça, voilà. Donc le casse-brique, voilà, il fallait appuyer sur remise à zéro. Et le gars, il ne sait même pas utiliser une console de stage là, oh là là là. Et voilà, donc là on a le fameux casse-brique, voilà. Voilà, donc qui est le même qu'hier que je vous ai présenté, la console était colorisée. Et là, elle est monochrome, voilà. Donc c'est pour montrer une petite Pong une fois de plus. Alors j'en ai encore d'autres, hein, mais bon, elles se ressemblent toutes. Hein. Allez, bye bye, à la prochaine.